Capricorne et ascendant Capricorne, voici votre horoscope pour ce mois de janvier 2024. Bonne année à tous et bon anniversaire en même temps hein, pour le deuxième et le troisième décan. Le soleil est donc dans votre signe, il vous met en avant. Vous pouvez le faire aussi vous-même, hein, vous mettre un petit peu en avant, d'autant plus que Jupiter va bientôt faire de bons aspects avec votre deuxième et votre troisième décan. Donc, vous serez très valorisé hein, par cette conjoncture qui est déjà avec le Soleil. Et puis, on va le voir avec Mars. Hein, vraiment, vous êtes mis en avant, vos qualités sont mises en avant, donc vos qualités de discipline, de rigueur, votre détermination, votre persévérance surtout, étant donné que le soleil est chez vous et donc chez Saturne. C'est vraiment le moment de montrer à quel point vous pouvez être bosseur et vous concentrer sur ce que vous faites, ne pas vous laisser distraire par le monde extérieur et tout ce qui s'y passe. Après le 20, le soleil sera en Verseau, accompagné de Pluton. C'est votre secteur d'argent. Bon, il y a une vidéo hein, qu'on a enregistrée avec Zoé qui vous explique tout ce que peut faire Pluton en Verseau. Donc, je vous conseille de vous y reporter. Le soleil, va éclairer votre secteur d'argent. Donc, c'est le moment, de réclamer ou de faire de bonnes affaires. Hein. Ben, ce sera un petit peu imprévu, on va dire. Côté activité, eh bien, Mars rentre dans votre signe le 4, mais elle forme de bons aspects hein, avec Saturne tout d'abord et avec Jupiter après, et ça concerne surtout le premier décan. Mais disons que, Mars est une planète guerrière avec elle on se bat, on attaque ou on se défend, hein, les deux sont possibles. Toutefois, son bon aspect avec Saturne indique que vous êtes très certainement investi dans quelque chose, un travail, une action, une activité dans laquelle vous allez vraiment vous investir à fond, vous concentrer pour obtenir finalement de très bons résultats, puisque après avoir été en bon aspect avec Saturne, Mars sera en bon aspect avec Jupiter. Donc, il y a quand même un facteur chance, mais une chance qui est vraiment due uniquement à votre travail et à votre perfectionnisme, à la façon dont vous envisagez les choses. Hein. Vous n'êtes pas, ni superficiel, ni désinvolte par rapport à ce que vous avez à faire, même si vous ne travaillez pas. Hein, quoi que vous ayez à faire ce mois-ci, vous le ferez bien et vous serez... content de vous, c'est beaucoup dire parce que le Capricorne a la réputation de ne pas se satisfaire facilement, mais quand même, hein, vous aurez la satisfaction du devoir accompli. Côté cœur, eh bien Vénus est dans votre secteur 12, hein, un secteur dont on sait qu'il n'est pas personnel, il est plutôt... il représente le collectif. Ça ne veut pas dire que vous allez aimer tout le monde, hein, mais que peut-être il faut vous soucier un petit peu plus, avoir plus d'empathie vis-à-vis des autres. Il peut se passer des événements dans le monde et... ils vous toucheront, par exemple. Laissez votre cœur mener un peu la barque d'une certaine manière, parce que ça va vous permettre d'éprouver des sentiments, des émotions que vous n'éprouvez pas souvent ou que vous essayez d'éviter parce que ça vous dérange. Il faut pas les éviter parce que ce sont des émotions et des sentiments que vous devez ressentir. Vous ne devez pas les mettre de côté. On dit que la 12
Enfin, dans le temps, on disait que c'était, ça représentait la prison. Donc, évidemment, hein, ça n'est plus le cas. Mais si vous voulez, on a tendance à s'exclure hein, avec la maison 12. Et donc là, avec Vénus qui est dans votre secteur 12, vous avez tendance peut-être à vous exclure des autres, à vous isoler, surtout que Vénus va être en dissonance avec Saturne, hein, les deux, trois premiers jours du mois, si vous ressentez un isolement, mais peut-être que vous l'aurez cherché et que vous l'aurez voulu. Sinon, évidemment, vous le subirez. Hein, et je ne peux que vous conseiller d'aller davantage vers les autres, de sortir de chez vous, de voir du monde, de manière à pas subir l'isolement. Le 7, le 14, le 19 et le 28 seront les meilleurs jours de ce mois pour faire la fête, par exemple, hein, puisque ce sera l'anniversaire de certains d'entre vous et pour montrer aussi, vous montrer sous votre meilleur jour. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo, vous la likez, vous vous abonnez. Et puis, bon, si vous voulez plus d'astro, d'abord vous avez nos lives du mardi et du vendredi, vous avez nos réseaux sociaux, vous avez le site, c'est l'astro.com, les consultations avec Zoé ou avec moi. Je vous souhaite un très bon mois de janvier.